Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer les achats que j'ai faits qui sont destinés à des cadeaux que je vais faire pour Noël. Donc c'est des idées de cadeaux de Noël, on peut dire ça comme ça. Mais en fait c'est aussi pour vous présenter les produits d'une certaine marque que j'adore. Et donc c'est un haul en même temps parce que en fait la marque que je vais vous présenter, donc c'est un site internet. Et c'est Mr. Wonderful. J'adore, j'adore, j'adore ce site. Je vous en avais déjà parlé, je crois que c'était en septembre, au moment d'acheter l'agenda. Et là, bah, du coup, j'en ai profité pour choisir des produits pour faire des petits cadeaux de Noël. Et du coup, je vais vous les présenter tout de suite. C'est parti! Que j'ai choisi, il y a certaines choses qui sont pour des membres de ma famille, d'autres qui sont pour des amis, d'autres qui sont pour des collègues de travail, mais je trouve que c'est des produits qui sont assez personnalisables et qui peuvent toucher quelqu'un personnellement. C'est ça que je veux dire, c'est pas genre juste un CD ou un truc comme ça. Il peut y avoir une histoire ancrée avec ces produits-là et c'est ça que j'adore dans cette marque-là, Mr. Wonderful. Je trouve ça trop trop mignon. Je vais commencer de suite à vous montrer. J'ai choisi de prendre des bougies. Donc normalement, si vous avez vu ma vidéo, pas la précédente mais celle d'avant, c'est cette bougie-là qui est entre autres proposée dans le concours que je vous ai fait. Et j'en ai acheté une aussi pour faire un cadeau à quelqu'un d'autre parce que j'adore trop cette bougie. Donc il y a écrit « C'est toi que je préfère pour partager mes aventures ». Et la senteur de cette bougie-là, c'est « Sweet Coton ». Pour moi, c'est une senteur de propre, de lessive, voilà, c'est la senteur de la lessive qui vient de sortir de la machine à laver. Et j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, j'en ai pris une autre aussi pour faire un autre cadeau. Celle-là, j'ai laissé emballer pour vous montrer l'emballage des produits. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça arrive. C'est un petit carton et il y a une petite cordelette. Et ça fait comme un petit seau. Donc en fait, quand la personne reçoit le cadeau, elle ne sait pas forcément ce que c'est parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas que c'est une bougie. C'est trop mignon, j'adore. Donc sur celle-ci, il y a marqué « Cette journée me réserve bien des merveilles ». Et ça sent « Floral Dream ». Donc il faut que je l'ouvre pour sentir l'odeur. Mais normalement, ça sent bon, les jardins, etc., etc. Donc voilà, c'est trop mignon, je trouve. C'est trop, trop, trop chou. Et j'ai décidé d'offrir ce petit truc-là qui est dans sa boîte pour l'instant. Il y a marqué « C'est un bonjour pour sourire. » Et en fait, à l'intérieur, je vous montre, hop, il y a une tasse. Et j'aime trop les tasses de Mr. Wonderful parce qu'il y a des petits messages trop mignons dessus. Et là, le message, c'est « Mon cupidon a besoin d'un GPS ». Donc évidemment, vous vous doutez que ce cadeau est destiné à un célibataire, un ou une célibataire. Donc voilà, j'ai trouvé trop choupinou. Il y a toujours la petite signature Mr. Wonderful pour rappeler que bah, voilà, ça vient de là-bas. Et je trouve que c'est trop mignon pour prendre le café le matin. Et c'est un petit ton ironique. Bon, évidemment, si quelqu'un est traumatisé par le célibat, il ne faut pas lui offrir ce genre de tasses. Mais voilà, donc j'ai encore pris des tasses. Et cette fois, c'est des tasses binômes en fait, des tasses en duo. Hop! C'est trop chou. Regardez la boîte, franchement. La boîte, c'est déjà une boîte à cadeaux, en fait. S'il n'y avait pas les produits qui dépassaient, je l'offrirais comme ça, limite, quoi. Et donc, en fait, cette boîte-là, on l'ouvre, hop, comme ça. Hop, hop. On soulève le dessus. Et voilà, il y a les tasses qui sont là. Donc, la première, je vous la montre, c'est une tasse rose. Et il y a écrit dessus... Alors, il y a une brique de lait qui est dessinée dessus. Et il y a marqué « How do you like your coffee ?» Voilà, ça c'est la tasse rose. Et la tasse bleue répond, donc la tasse bleue c'est une tasse de café, répond « With you ». C'est pas trop mignon. Et derrière, vous avez la petite signature Mr. Wonderful. Je les trouve trop mignonnes ces petites tasses, mais elles sont trop choupinettes. Et franchement, je trouve que c'est un petit cadeau magnifique pour un jeune couple ou alors un couple qui vient juste de s'installer ou même même pour ses parents, un truc comme ça peut être sympa. Le dernier produit que j'ai choisi du site Mr. Wonderful, c'est ça. Alors,
Ça, en fait, c'est un album photo. Et en fait, cet album photo, c'est donc il y a écrit « En ce grand jour, tu mérites tout le bonheur du monde. Joyeux anniversaire. » Et en fait, en regardant le détail de cet album sur Internet, je me suis rendu compte que c'était un album idéal pour une première année de vie, en fait. Et comme je vais être tata, et ben, c'est un cadeau qui va être pour mon futur neveu ou ma future nièce. Et du coup, je l'ai trouvé trop chou, trop chou, trop chou, trop chou. Donc, juste déjà, la manière dont il est trop mignon. Et en fait, voilà. Alors, on va l'ouvrir. Là, il y a une petite enveloppe. Donc, je pense que c'est un endroit où... Je n'ai pas envie de l'abîmer, hein. Un petit endroit où on va pouvoir... Ah, j'avais pas vu, en fait. La meuf qui découvre les trucs... J'avais pas vu en fait. À l'intérieur de cette petite enveloppe, il y a des petits stickers qu'on va pouvoir coller dans l'album avec les photos. Donc en fait, c'est le même système que pour les agendas. Donc je vous avais présenté l'agenda que je m'étais pris. Et là, c'est le même système, mais pour un album photo. Donc voilà, là c'était là-dedans. Et à côté, en fait, vous avez une grosse pochette. Et vous tirez, et dedans il y a l'album avec un petit carton pour que ça tienne. Rien d'autre? Non. Et l'album, alors c'est rose et bleu, donc du coup, si vous voulez offrir ça pareil pour une naissance et que vous ne savez pas encore le sexe du bébé, bah, c'est rose et bleu, donc du coup, c'est bon dans les deux cas. Et donc, on ouvre la première page, et là, hop, c'est la page de présentation. Donc, cet album de grands moments, de souvenirs indélébiles. Et de sourire à foison appartient à, là on met le nom de la personne, une personne en or à qui j'adresse mes vœux les plus sincères, née le, là on met le jour de l'anniversaire, et ensuite, et qui fête aujourd'hui, c'est, là on met l'âge, joyeux anniversaire, toi, les années te traitent vraiment bien. C'est trop mignon! Et ensuite, bah, les pages se suivent et vous avez des petits messages à chaque fois, des emplacements pour coller les petites photos et les petits stickers. Et voilà, de temps en temps, vous avez des pages avec des petits messages. Moment inoubliable à tes côtés, par exemple. Avec toi, rire et fête assurée. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée de cadeau pour la première année de ma nièce ou de mon neveu, première année de vie. Je me suis dit qu'un petit album trop mignon où on pourrait remplir les photos. De sa première année de vie, ça pouvait être sympa. Le site Mr. Wonderful, je vous en ai déjà parlé donc la dernière fois, c'est un site qui est à la base qui est espagnol, qui maintenant vend ses produits donc dans d'autres pays comme la France. Il est super sympa, franchement, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, allez voir, ça vaut le coup parce qu'il y a énormément de choses différentes. La dernière fois, je vous ai présenté quelques produits, là, je vous en présente d'autres. Il y a énormément, énormément de choses différentes. C'est des produits qui sont trop mignons avec des messages super inspirants. Et si vous voudriez acheter un de ces produits de dernière minute pour vos cadeaux de Noël, sachez qu'il y a des boutiques en fait physiques qui vendent les produits Mr. Wonderful. Entre autres, il y a la Fnac, il y a certaines Fnac qui vendent des produits Mr. Wonderful. Et il y a aussi la Chaise Longue qui vend ses produits. Donc, si vous voulez avoir une adresse donc d'une boutique qui vend ces produits-là près de chez vous, il suffit d'aller encore une fois sur le site. Vous allez voir dans les boutiques et là on vous met les adresses en fonction des départements. Donc vous pouvez aller voir en fonction de là où vous habitez, quelle est la boutique qui se trouve la plus proche ou quelle est la liste des boutiques qui se trouvent les plus proches. Moi en tout cas, j'adore ce site et c'est sûr et certain que je vais reprendre des produits chez eux parce que vraiment, que ce soit l'agenda c'est toujours un chouchou pour moi. Il me suit toute l'année. Je l'ai depuis, bah, il a commencé le 1er septembre. Donc là, on finit l'année 2016 et il est toujours à côté de moi. Je m'en sers pour organiser mon emploi du temps par rapport à mon travail et par rapport à mes vidéos YouTube, etc. J'adore décrocher de temps en temps des petits stickers pour les coller à certaines journées qui sont spéciales, etc. J'adore les petites recettes, les petits exercices, les petites phrases trop mignonnes qu'il y a dedans. C'est vraiment un compagnon de toute l'année. Quand j'adore quelque chose, bah, du coup, j'ai envie de partager mon bon plan. Je vous le partage.
J'ai rien à gagner à vous présenter ce site. Donc vraiment, vraiment, je vous le dis parce que vraiment, c'est vraiment un site de fou. Et sachez que même si c'est un site qui est basé en Espagne, la livraison est ultra rapide. Moi, je sais que la dernière fois, quand j'ai fait ma commande, j'ai reçu les produits quelque chose genre 4 jours après. Je les ai eus super rapidement, j'étais super contente et je pourrais faire mes cadeaux de Noël à temps, donc je suis ultra ravie. Et du coup, si vous aussi vous allez faire des commandes sur ce site, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo pour me dire quel produit vous avez choisi. Comme ça, j'irai voir et ça nous donnera peut-être entre nous des petites idées de choses soit à s'acheter pour nous, soit à faire en cadeau, etc. Et il ne faut pas oublier qu'il y a bientôt la Saint-Valentin. Donc franchement, en particulier si vous êtes des garçons qui regardez la vidéo, je pense que c'est des bons petits cadeaux pour les filles. Nous, on adore ces petits messages-là, etc. Donc voilà, petit tuyau si vous n'avez pas d'idée pour la Saint-Valentin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je viens donc de sortir de ma chaîne YouTube et je me suis rendu compte que enfin on a dépassé les 1000 abonnés. Ça me touche énormément. Vous savez pas à quel point je suis émue. Je suis trop contente. Peut-être que pour certains, 1000 abonnés, c'est rien. Mais pour moi, je suis en train de m'imaginer en fait dans ma tête qu'il y ait 1000 personnes en face de moi. Vraiment, 1000 personnes en face de moi en train de m'écouter. Ces 1000 personnes, clairement, elles ne pourraient pas rentrer dans la maison parce que c'est trop petit. Limite, même à l'extérieur, je ne sais pas, je ne pourrais pas voir le bout. Je me dis que c'est un truc de malade. Donc, vraiment. Merci du fond du cœur de me suivre, de me soutenir, de me laisser des petits mots super gentils. Vous êtes vraiment une communauté de fous. Et je ne dis pas parce que, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit ou quoi que ce soit, c'est que vraiment, vous êtes une communauté exceptionnelle. Peut-être que plus tard, je ne pourrai plus dire la même chose parce qu'il y aura du monde qui sera plus comme maintenant. Mais en tout cas, actuellement, au jour d'aujourd'hui, tous autant que vous êtes tous adorables, vous êtes tous courtois, vous êtes tous polis. Vous êtes tous attentionnés et j'adore, j'adore, j'adore parce que on peut communiquer vraiment cordialement et ça me touche énormément, ça me fait trop plaisir. Donc vraiment, vraiment, mille merci, mille merci. Je suis touchée de fou et j'espère que vous serez encore là, que vous continuerez à me suivre et qu'on pourra faire plein de choses ensemble. Évidemment, je vous prépare un futur concours des 1000 abonnés. Je le ferai un peu plus tard parce que bah, là, on est en plein concours de Noël. Donc, je ne vais pas tout enchaîner d'un coup, mais restez là. Dans quelques temps, il y aura un concours des 1000 abonnés qui vous fera énormément plaisir. D'ailleurs, si vous avez des idées de cadeaux que vous aimeriez recevoir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me donnera des idées. Je voulais vous souhaiter un joyeux Noël et plein de bonnes choses, de joyeuses fêtes, etc. Parce que je pense que c'est la dernière vidéo avant les fêtes de Noël. Donc, joyeux Noël. Vraiment, j'espère que le Père Noël vous apportera plein, plein, plein de cadeaux et qu'il vous apportera vraiment tout ce dont vous avez envie, tout ce dont vous rêvez. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Et j'espère que bah, cette nouvelle année va être encore mieux. Normalement, il y aura une autre vidéo entre la fête de Noël et la fête du jour de l'an. J'espère que j'arriverai à la poster à temps, parce qu'avec mon ordinateur qui rame, c'est un petit peu la galère. Donc j'espère que j'arriverai à la télécharger à temps pour qu'elle arrive avant le réveillon. Et je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et encore mille merci de vous être abonné, de me suivre et de me répondre à mes petits commentaires. Je vous aime trop, je vous aime fort. Joyeux Noël!